suis de Saint-Étienne-Loire, où se fabrique au jour le jour des fusils, instruments de guerre et des rubans, objets. Il y a des plaisirs dont on se lasse. Celui d'assister au plein et naïf épanouissement de la joie d'un gamin, sans papa ni maman, mais recevant tout de même des jouets, est au contraire de ces plaisirs qu'on aimerait goûter souvent. Et comme l'on comprend que la femme du maire, Madame Louise Soulier, tienne à présider chaque année la matinée récréative, au cours de laquelle, à la veille de Noël, sont distribuées les étrennes des pupilles de l'orphelinat municipal du Ré. Les applaudissements sont unanimes, puis Monsieur Bailly, directeur de l'orphelinat, distribue aux pupilles lauréats du certificat d'études primaires les livrets de caisse d'épargne que l'amicale des anciens orphelins du Ré a coutume d'offrir. Des friandises et des oranges, généreusement réparties entre tous les enfants, prouvent à la sortie que les orphelins sont reconnaissants à tous ceux qui ont à cœur de les aider dans leur infortune. Les pupilles du Ré, heureux et fiers, garderont de cette minute un inoubliable souvenir. Souvenir ineffaçable aussi chez leurs petits camarades et qui fait de cette annuelle matinée une admirable et bienfaisante leçon de fraternité. Le premier orphelinat est créé en 1845 par les sœurs de Saint-Vincent de Paul et dépend du bureau de bienfaisance. En 1876, l'acquisition de la propriété Valadier permet le transfert de l'orphelinat pour filles dont les bâtiments menacent de s'effondrer. Les garçons occupent les locaux de la rue de l'Hôpital. En 1884, la municipalité décide de regrouper les deux parties au Ré pour une meilleure gestion. Dans les constructions en bon état, mais sans aucun confort, il n'y a ni eau courante, ni électricité, ni sanitaire, la ville installe un orphelinat qui accueillera près de 80 enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 13 ans. La famille Jacquemont, une des grandes familles stéphanoises du 19e siècle, prit le parti, en 1845, de donner aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul sa belle propriété pour en faire une œuvre privée et charitable. C'est ainsi que cette maison devient un orphelinat et que grâce à un don de la famille des Simon Lafarge, elle fait aménager une belle buanderie. Les sœurs élèvent environ 50 filles de 4 à 21 ans et leur donnent une instruction et un métier qui leur permettront de prétendre à une vie décente. Outre l'orphelinat, les sœurs, fidèles à l'esprit de charité voulu par les Jacquemont, accueille également à l'ouvroir des jeunes filles de 12 à 15 ans, qui cousent et brodent avec soin des trousseaux pour les mariés. Elle donne aussi des cours de cuisine pour préparer les élèves à devenir des aides ménagères auprès des personnes âgées. Le jeudi, les filles du quartier vont le matin au catéchisme, accompagnées par une religieuse. L'après-midi, elles s'amusent à des jeux de ballon ou à la balançoire, une échelle sur un tréteau. Fondée en 1903, la Mutualité de Saint-Étienne est la troisième mutualité maternelle créée en France après celle de Paris et celle de l'Isère. La réalisation essentielle de la mutualité maternelle est le développement des consultations de nourrissons, conçues comme lieu stratégique du combat contre la mortalité infantile. L'habitude de faire examiner les enfants est donc peu à peu entrée dans les mœurs. Les femmes les plus âgées n'étaient pas très assidues. Les plus jeunes, au contraire, ont régulièrement fréquenté les consultations. Celles-ci sont à l'honneur à Saint-Étienne lors de l'exposition de l'enfance de mai 1933. Grâce au dévouement inlassable des membres du comité de patronage des enfants délinquants et en danger moral, une œuvre utile et sociale a été réalisée. La maison d'accueil. Ce comité avait été créé en 1935, la même année que le tribunal pour enfants. La maison d'accueil est inaugurée le 17 novembre 1936. Son financement est largement assuré par le Conseil général, les municipalités du département et la Caisse d'épargne. Cette maison, construite dans la dépendance de la maison familiale 6 rue Victor Duchamp, est destinée à recevoir l'enfant qui a commis une faute et à le moraliser pour lui faire reprendre la vie droite en attendant sa comparution devant le tribunal d'enfants. Marinette Heurtier, membre du conseil d'administration, participe au fonctionnement de cette maison d'accueil et ébauche un service de placement.
présentant les conclusions de la consultation au tribunal, assurant les mesures de liberté surveillée, accompagnant les mineurs jusqu'à leur établissement de placement, rédigeant les enquêtes préalables aux audiences de déchéance de puissance paternelle, Marinette Heurtier, peu payée, ne comptant pas son temps, est de tout ce qui concerne les enfants à Saint-Étienne. Dans un discours éloquent, le bâtonnier Ponceton dit toute la joie du patronage des enfants délinquants à la réalisation de leur vœu le plus cher, la maison d'accueil. Il remercie tous ceux qui ont apporté leur collaboration pour la réussite de cette œuvre. Maître Ponceton résume le but d'une maison d'accueil, but si humain et si digne. Entourer l'enfant de secours, de soins, de protection, pour le ramener dans le droit chemin. Monsieur le boulanger, inspecteur départemental de l'assistance publique, souligne la formule neuve et hardie de cette œuvre de solidarité et forme des vœux pour le succès de cette entreprise. Marinette Heurtier incarne, presque à elle seule, 25 ans de travail social à Saint-Étienne. Et pour cela seule, elle mérite l'attention que l'on doit aux pionniers. Son action a permis l'existence, ou donné naissance, à des organismes ou établissements qui ont perduré. Et elle reste actuelle pour avoir contribué à construire un secteur associatif encore vivant et actif. C'est au cours de cette année 1815 qu'une personne sourde, David Combéry, tailleur, crée une école pour les sourds-muets à la demande du maire de Saint-Étienne. Une femme du peuple, grande à force de vertu, Mademoiselle Marguerite Mirandon fut nommée directrice de la maison dont les trésors de sa charité avaient jeté les premiers fondements. Depuis cette époque, de pauvres enfants sourds-muets au nombre de 25 reçurent chaque année, dans cet établissement, tous les soins moraux et matériels que réclamait leur intéressante position. À l'instruction religieuse et chrétienne, aux notions élémentaires de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, de la géographie, de l'arithmétique, était joint l'enseignement professionnel de deux états pour les enfants, celui de tailleur et celui de cordonnier. En 1870, on compte 104 élèves. L'institution traverse des turbulences causées par l'affrontement entre les partisans de la méthode orale et ceux de la langue des signes dans l'enseignement des sourds-muets. Elle tourne à l'avantage des premiers, en 1880, au congrès de Milan. L'année suivante, la langue des signes est interdite en France dans l'enseignement. Cette interdiction sera levée progressivement un siècle plus tard. En 1904, une association est créée sous la dénomination « Sourds, muets et aveugles de Lyon » pour gérer l'institution de Saint-Étienne. L'institution participe en 1925 à la création de la Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en France. FISAF, dans laquelle les institutions pour sourds se regroupent et s'organisent. La maison de Saint-Urin où séjournaient plusieurs pupilles de l'assistance publique était animée par une excellente grand-mère que les enfants appelaient Maman Pitaval. Elle était l'âme de ce foyer de déshérités, souffrant avec eux, les prenant sur les genoux, les consolant et créant entre eux le lien nécessaire à la communication. Les pupilles de l'assistance publique étaient en France au nombre de 115 000 en 1935 et le nombre d'anormaux justiciables d'un enseignement spécial entre 80 et 100 000, soit entre 5 et 20% des enfants. L'internat de rééducation de Saint-Urin, créé en 1933, et le village-école d'Usson-en-Forêt en 1935, fonctionnent sous le contrôle de Marinette Heurtier. La maison familiale de la Loire a été créée en 1914 par le docteur Fernand Merlin et abrite une pouponnière, une goutte de lait et un restaurant pour les mères nourrices. L'originalité de la maison familiale de la Loire réside dans l'accueil de toutes les femmes, mariées ou non, en compagnie de leurs enfants. La maison de Riocreux est une structure à caractère social, avec la spécificité d'une unité d'enseignement. Elle fonctionne en lien direct avec les services du Conseil général
et plus précisément avec les services de la protection de l'enfance et de la famille. Située sur le plateau de Saint-Genès-Malifaux, la maison de Riocreux trouve son origine dans les années 1927 comme un ancien préventorium. À 980 mètres d'altitude, dans le parc régional du Pilat, entre forêts de pins et de sapins, l'institution était à 10 km de Saint-Étienne.